Bon, j'ai merdé, ça va, on commence bien l'année. Bonne année à tout le monde, on est en 2022. Mon PC ne tient pas les 60 FPS pour streamer, c'est merveilleux. Il y a des choses qui changent pas. Il y a des choses qui changent pas, hein. Mon PC, normalement, fin d'année, je le change. L'objectif, ce sera de passer directement sur un processeur AMD AM5, vu que j'aurais loupé, sauté l'AM3, l'AM4 quand même, hein, avec mon vieux processeur AM2+. Mais voilà, c'est. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai un joli shader activé que m'avait fourni Shenron. Et en regardant de nouveau le dernier stream, je m'étais rendu compte qu'en fait, il s'était pas. Il était appliqué. Mais il s'appliquait pas automatiquement à tous les jeux. Donc voilà, j'espère que là ça va tenir. Faut que je pense à le remettre sinon à chaque jeu. J'ai, comme d'habitude, je suis toujours au top de l'optimisation, hein. Mais bon. On commence donc avec Pac-Mania en 2022. Je pense que ça c'est important de commencer par un jeu aussi basique que Pac-Man en 2022 pour se remettre dans le bain. Ça fait quand même quoi, 2 semaines? 3 peut-être que j'ai pas streamé. Déjà, est-ce que je sais encore tenir une manette en main? On sait tous hein, qu'une manette ça se tient comme ça, mais après il faut réussir à jouer avec. Et mine de rien, c'est pas facile quand on voit pas les boutons. Enfin bon, assez de conneries pour le moment, hein. De toute façon, les conneries, je fais que ça, je fais que en raconter. Hop, ah voilà, il accepte de changer de scène. Alors. Donc ah tiens, le dernier, le round 6, je peux pas le choisir. Bon. On va commencer par le round 1. Round 1. Fight! Et on va essayer de faire quelque chose de correct. Bienvenue dans le monde de Pac-Man. Me semble un peu fort. Ouais, baisse un peu. Voilà. Comment ça donne maintenant? Ça a l'air mieux. Ouais, que dire sur Pac-Mania? C'est Pac-Man en vue. Oups. En vue ISO. Honnêtement. Zut. Zut, zut, zut. Autant. Le Pac-Man original, ça va, je peux y jouer une petite demi-heure avec mon père où on alterne à essayer de faire le meilleur score. Je savais pas qu'il y avait autant de fantômes en Pac-Mania. Et Pac-Mania, ça va parce que il compense le fait de ne pas avoir tout le tableau et où sont les fantômes par la possibilité de sauter pour pouvoir se sortir d'une mauvaise. En haut. Le terrain semble aussi bien plus petit au final. Oups! Ça passe pas. Hop, 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 là derrière, voilà. Je ne suis pas d'accord. Bon, j'espère que le filtre rend bien. J-E-R, comme Jérémy. Hop. Ça me place où? Oh, quatrième, ça va. Ouais, j'espère que le filtre rend bien de votre côté. Bon, autant j'ai. C'est correct de mon côté, mais en même temps, ça me donne un côté un peu flou que je trouve assez désagréable. Oh! On peut prendre des virages en sautant. Ça c'est bon à savoir. Oh! Strike! Oh! Pourquoi je me suis retrouvé bloqué comme ça? J'étais à l'arrêt d'un coup. Ok,
Les grosses boules sont quand même beaucoup moins utiles dans ce jeu, j'ai l'impression, que dans l'original. Oh, ça passe. C'était risqué, là, ce que j'ai fait. On se barre. J'ai un peu du mal à changer de direction parfois, c'est assez bizarre. J'aime bien Pac-Man, le Pac-Man original, c'est un peu la même chose. Hein. Si t'as pas un stick au top, ça peut vite être frustrant. Alors là, je sais pas trop ce que j'espérais. Bon, il me reste quoi à chercher. Sérieusement. Ça me donnerait presque envie de relancer... Comment il s'appelait ce jeu ? Pac-Man World Tournament DX2, un truc du genre ? Je l'avais acheté pour mon père, j'y ai joué genre 5 minutes. Visuellement il est très sympa. Après vu que je suis pas un gros fan de Pac-Man et de son gameplay en général. Comment ça se fait que je vois de... Ce niveau semble bien plus grand que le précédent. Bien clean de ce côté déjà. Là en bas c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à chercher? Ah, là-bas. Allez. Non ! Mais d'où il fait demi-tour, le fantôme ? Il n'y a pas de raison de faire demi-tour. Apparemment, je suis devenu un Pac-maniaque. On va essayer en lançant là du round 2 directement. Histoire de voir un peu plus de niveau tout de suite. Hein. Oui, oui, blablabla. Bla, bla. Si j'arrête de perdre quand même mon dévis, ça ira mieux. Donc, notamment, même privilégié de faire demi-tour pour fuir les fantômes. Comme ça, le fantôme peut pas m'anticiper et faire demi-tour lui-même quand il me voit sauter. Allez, on prend les points. Non,
Voilà, hein. Donc normalement tout, en haut tout est clean. On vérifie là, c'est clean aussi. On descend. Oh non, y'en a... Oh, c'est passé. C'est passé. Ok. Qu'est-ce que je ferai pas? Tire-toi, tire-toi, tire-toi. Par là, par là. Allez. Yes! Un bonus de courage apparemment. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok, donc là c'est juste un reskin d'une autre couleur. Bon. On a pris la boule, on a pris la boule, hein. Bon, les fantômes sont pas plus rapides que nous, donc ça va être quand même pas mal de stress en vrai. Je crois que dans les premiers niveaux de l'original, il me semble qu'on est plus rapide qu'eux aussi. Ou au moins aussi rapide. Parce que j'ai pas encore. Ça manque de challenge quand même. J'ai eu beaucoup de morts stupides. Mais. Les fantômes ne semblent vraiment pas dangereux. Oh, il y a des fantômes qui sautent maintenant. Ah, peut-être que là, du coup, ça va se relever. Zut. Bon, après cette partie, je pense qu'on changera de jeu, parce que c'est... ça reste Pac-Man au final. Pas grand-chose à dire sur le gameplay. Rien d'incroyable. Il est quand même un peu lent le jeu dans l'ensemble. Il n'y a pas le côté frénétique. J'ai sauté tout en. Hop, 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 là ils sont nombreux. Ok, ok. C'est bon. Oh, mais elle est grande cette map. Ah non, j'aurais dû faire demi-tour. Ah
Game over? Non, j'en prends une vie. Bon. Là, les fantômes commencent à être assez rapides pour nous mettre en danger. Et nombreux. C'est vraiment... C'est juste ça. Ah, ils vont plus vite que moi maintenant. Bon. Donc faut attendre quoi, c'est niveau 4, 5. Bon. Z, E, R comme Zeros. Bon, score largement battu. Je sais pas pourquoi j'ai chopé les 70 000 points de courage. Peut-être que c'est parce que j'avais fait... plusieurs va-et-vient devant un des fantômes avant de faire le saut pour l'éviter, je sais pas. Mais on va passer du coup au jeu suivant. Il va savoir pourquoi il m'a remis tout en bas de la liste. Je crois que le suivant c'est Paper Boy, mais... à confirmer. Yes, c'est ça. Un autre classique de l'arcade du début des années 80. Bon, on va lancer direct, hein, mais... Le principe est tout con. Vous voyez les gamins qui lancent ce journal dans les séries américaines des années 80-90? Eh ben, c'est vous! Ouais, j'ai dit début des années 80, mais... relancer là parce que j'avais cru voir un truc avec genre les années 80. Hmm. 1990 Tangen. Est-ce que c'est l'adaptation du coup qui est de 90? Parce que il me semblait que le jeu était plus vieux que ça quand même, non? Et qui était même sur peut-être Atari 2600. Ouais, 84 Atari, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je n'ai donc pas rêvé. Mes souvenirs étaient justes. Alors, on va faire Easy Street. Ok. Ah ouais, alors déjà, celle en noir, celle où je dois pas livrer, je crois. C'est un jeu que je ne connais pas du tout. Si ce n'est de nom. J'avais dit quoi, la 4 et la 5 qu'il faut pas? Ou la 6? C'est la 7 qu'il faut pas. La 8 de nouveau. Et après j'ai pas du tout retenu. Après j'ai pas retenu. Ah, l'accident. Toi peut-être. Est-ce que c'est pas juste des maisons en noir que je dois pas livrer? Peut-être. Oups, désolé. Ah, je suis tombé du trottoir. Est-ce que c'est dangereux? Je ne sais pas. Où est-ce que je suis? Mince.
Ok, ils ont annulé leur... Ok. Est-ce que je dois l'envoyer à tous, du coup, ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, pas la première. Oui, je casse encore des... Oh là là. Mais est-ce que du coup je dois quand même leur envoyer le journal pour qu'ils... Je sais pas. Oups. Ça commence bien. Mais en même temps ils ont pas de boîte aux lettres là les gars. Comment ils veulent que je leur livre? Ceux qui se prennent pas peine d'installer des boîtes aux lettres, ils auront pas le journal, voilà. Ah bah merveilleux, on n'a pas d'image de nouveau. Mais est-ce que tu as le son? C'est quoi ces conneries? Oh mais chez moi ça affiche de nouveau correctement et ça fonctionne là, zut. Zut, enfin, déjà la dernière fois que Mortal Kombat ça me l'avait fait. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, mais il me dit même que... Là, j'ai rechargé ma page, il me dit même qu'on est hors ligne. C'est quoi ces conneries? Oh putain, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de changer la description aussi. Il va me détester, Monsieur X. Bon, on va couper vite fait. J'en profite pour mettre à jour la description. On relance. Avec un peu de chance, il y aura l'image. Arrêtez le stream. En théorie, nous sommes de retour. Est-ce que il y a de l'image cette fois? Ok, déjà si je mets un message, ça apparaît de mon côté. Pourquoi? Que se passe-t-il? Oh, mais zut, quoi! Pourquoi j'ai pas d'image? Pourquoi j'ai plus d'image? On avait avant. Image perdue, 0. Pourquoi ça ne veut pas? Allô? Y a-t-il quelqu'un sur cette planète? Zut, quoi. Zut. Juste zut. Ça m'agace. Pourquoi ça veut pas?
Ok. Et est-ce que là on a de l'image? Et est-ce que là... Oui, chez moi j'ai de l'image. Est-ce que ça veut dire que cette fois c'est bon chez tout le monde? Est-ce que là on est bien? Moi j'ai de l'image de mon côté. C'est que ça devrait être bon. Shenron, la régie, tout ça. Est-ce que c'est bon de votre côté? On me dit rien dans l'oreillette, mais je pense que c'est parce que j'en ai pas. Bon, on va attendre 2-3 minutes pour voir, et sinon, ben... Ça me fait penser que... Plutôt réaliser entre-temps que... Le shader s'est nouveau barré. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas. On fait charger le 8 16 bits, voilà. Oui. Ça semble bon, on fait reprendre. Ouf, c'est... Ok, là j'ai de nouveau le... La notif qui me dit qu'on est en ligne. Semble mal parti quand même. Ah, je savais que j'aurais pas dû avancer ce stream ce soir et que j'aurais dû tenter demain soir quand même avec le risque de devoir bosser. Réaction de Shenron. Bon, on va vite fait checker le téléphone, peut-être que j'ai un message dessus, hein. Sait-on jamais? Passe en facecam en attendant. Du coup, j'ai mon rétroarc là qui s'est barré pour changer. Ok. Message envoyé à Shenron, on va voir si elle réagit dans les minutes qui viennent. En attendant, on continue, et puis sinon, ben, on vous refera les deux jeux en question lors du prochain stream. Ah, je pensais pouvoir m'arrêter avant. Ah non, ça marche pas, je pense pour balancer le journal sur le chien. Bon, j'imagine que son absence de réponse laisse penser qu'il n'y a rien. Et zut. Ok, ça fonctionne, nickel. Thank you.
Ok, donc ça fonctionne, c'est bon. Je peux repasser sur cet écran. Je sais pas pourquoi des fois ça me... C'est tout noir et des fois non. Si encore c'est tout le temps, je pourrais essayer de trouver une solution, mais... Wop ! Comme ça fait que deux fois que ça m'arrive et que j'ai rien de particulier de changé, c'est difficile de connaître quelle peut être la raison. On prend les journaux. Les États-Unis, c'est dangereux. Oh, je balance, mais... Oh, ouais, je tombe. Aïe, 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 aïe. Ah, par contre, j'ai fait un meilleur score qu'avant. On va tester la voie difficile pour voir. Ah oui, non, mais là, c'est... What? C'est quoi cette rue? C'est la rue du harcèlement, c'est pas possible, ça. Ok, je crois que 4 et 5, il fallait... Comment tu passes, là? Y'a la faute, y'a la faucheuse. Mais c'est quoi cette ville? Ville la plus dangereuse des États-Unis, hein, je le dis. Oh bordel. Oups. 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 Pas la tondeuse. Oh bordel. Ouais, c'est Middlewood. Ça peut pas être pire. 3 premiers, 5e. Ensuite 8, 9, 10. Et après on essaie de se souvenir. Celle-là, non. La 5e, oui. Ensuite, pas les deux suivantes. Elles sont bien en noir, du coup. Donc, celle en noir, a priori, c'est ça que je dois pas livrer, ouais. Mais valide. Allez, zut. On trace, on trace, on trace, on trace, on trace. Ah, on trace. J'ai même pas cassé la fenêtre. Oups, j'ai cassé la fenêtre. Oup, oup, oup.
mal à comprendre c'est quoi le timing pour toucher ces cibles là. Hein. C'est... J'ai pas assez de vitesse. Ok, donc pas le premier cette fois. On trace, on trace. Zut. Mais non, oh là là. Bon, on va passer au jeu suivant. Hein. C'est quand même un meilleur score. Hein. On va s'appeler F. Alors, Parlor Games, on l'avait déjà fait. C'était Family Games, si je me souviens bien, en japonais. On s'est... Il y avait quoi? Il y avait... C'était 3 ou 4 mini-jeux. On va vite fait lancer. C'était pas... transcendant. Il y a 3 mini-jeux, voilà. Bon, déjà ça, hein. C'est le du bingo. Qui voudrait jouer à ça? Encore le billard et les fléchettes, on peut comprendre. Il y a le côté posé et tout, mais... Après, on peut se faire censurer parce qu'on joue à des jeux trop olé olé comme le billard, les fléchettes. Pat Riley Basketball, un proto. Ça peut être sympa. Bon, en tout cas, visuellement, il a l'air sympa le jeu. A voir à quel point il a été fini. Hein. Ah, d'accord. Donc, il y a écrit push start, mais c'est. Un joueur, on va faire en facile. 2 minutes. Mon équipe. Alors comme d'habitude, moi hein, et les sports américains. Du coup, je vais jouer à Détroit. Hein. Détroit contre Houston. Voilà. Donc on a donc une stat de vitesse, de tir et de défense. Et comme j'ai aucune idée c'est quoi les postes au basket, et ben on passe ça. Ok. J'ai l'impression que l'adversaire a des meilleurs joueurs que moi, mais... J'ai dit que je suis qui déjà? Les verts, hein, des trois. Chope le bal. Quoi? Mais... Pourquoi? J'ai fait faute apparemment. L'animation est sympa. Dommage que ce soit contre moi. Il se loupe là. Et ouais. Ok, ça c'est pour changer de joueur. Donc ça c'est bien pour défendre. Oh, j'ai la balle. Je n'ai aucune idée si mon joueur est bon ou pas. Mais je tire! Ah zut, fallait. J'ai vu trop tard la barre en dessous. Mais c'est bon! Yes! J'avais pas... Enfin, j'ai pas remarqué tout de suite, mais il y a du détail dans les joueurs, en fait. Je sais pas s'ils peuvent que être blonds, les blancs, et les noirs avec des cheveux noirs. Ou s'ils peuvent être roux, ou... Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme couleur? Parce que bon, un noir blond, ça ferait bizarre, je pense. Mais il pourrait se teindre les cheveux. Est-ce que la manière dont je le dis, c'est pas déjà vachement tourné dessus? Si, hein. Mais quoi, y'a foul? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends rien. Je comprends rien au basket. Ça m'agace. Non, si, je comprends les bases du basket. Juste pas à quel moment c'est faute et pas faute. Zut. Attends, elle en met deux, là, en plus? Salaud. Ok, c'est le moment de faire une passe. On court. «
Mais pourquoi? Ah non, c'est bon, c'est juste le carton qui est fini. Ok, ça va. J'ai cru qu'il y avait une nouvelle faute. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? L'animation elle est cool. En vrai ça donne envie de faire des dunks toute la journée, mais... On a le droit de récupérer comme ça à l'engagement? Bah écoute, on va les éclater. Hein. Hop, je me place devant ses coéquipiers. Et ah zut, il a réussi à passer. Mais... Pourquoi? Ouh, il est pas bon celui qui tire là. Sa barre elle bougeait super vite. Allez les gars, on repart à l'attaque. On est comme dans Captain Tsubasa. Il faut juste moins de temps pour traverser le terrain. Y'a aucune défense sur moi en fait, hein. C'est juste, il me laisse passer et... Et là j'ai réussi à lui prendre sans faire faute, je pige pas pourquoi. Mais le jeu est plutôt abouti, ça m'étonne qu'ils l'ont annulé. Par contre j'ai aucune idée de qui est pas trahi. Je crois que c'était ça le nom de... du gars qui devait donner. Mais c'est bon, je gagne arbitre, laisse-moi jouer. Ils font pour se louper sur ça. Où est la balle? Tiens, et là j'ai pu la récupérer légalement de nouveau. Y a des hors-jeux? Y a pas de hors-jeux. Saute mon petit! Ouais, c'est ça qu'on veut. Des petits gars qui sautent et qui mettent la balle dans le filet. J'ai cru qu'il y avait une nouvelle faute. Ce jeu me stresse, je ne comprends pas. Ils sont mauvais. Bien un autre joueur pour me défendre, mais je vois pas. Mais y a pas faute, zut quoi. Oh, et en plus il est mauvais. Et il sprint. Est-ce que le défenseur va l'arrêter? Non! Il le contourne! Mais quel joueur! Et l'autre défenseur, il passe juste à côté! Il est trop fort! Et c'est le but de Olivier Hatton du basket! Non mais... Je voulais que tu fasses un dunk. Allez, je l'ai. J'ai la balle. Je sais pas pourquoi ça a pas fait faute. Peut-être à voir avec le...
le timing et où se trouve la balle au moment où on appuie sur le bouton, je sais pas. Mais avec le flickering, c'est pas évident de savoir. Ah, je pense que c'est ça. Est-ce que Détroit est censé être fort? Je ne sais pas, mais Détroit est fort dans ce monde parallèle. Ils ont réussi à marquer. Allez, allez. On saute, on barque. Mais oui, 26 à 8, on les écrase. Ok, il reste un carton, encore 2 minutes, on changera de jeu ensuite, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui. C'est du basketball total avec du pressing très haut sur les joueurs adverses. Oh là là, il contourne son opposant avec une telle facilité. Oh là là, il passe au milieu de tous ses adversaires. Oh, il récupère la balle de l'engagement pour remarquer. Hello crayon laser. Non, c'est lequel mon joueur là? C'est celui-là. Et on marque. Yes, bonne année à toi aussi. Jamais on est sûr, je crois que c'est Pat Riley, basketball. Et le jeu est plutôt cool. Il m'a fait rager sur les fautes, mais il est plutôt cool. Bon, après, je joue en facile, hein. Ça explique aussi pourquoi. Ouais, j'ai refait faute. Parce qu'en gros, la touche de défense, faut appuyer quand la balle n'est pas dans la main du joueur adverse. Non, franchement, le jeu est plutôt joli. Non ! C'est un peu... un peu confus parfois en défense, mais ça va. Non, mais je... Qu'est-ce que... Quoi ? Mais pourquoi c'est lui qui a récupéré ? Mais zut ! Je savais pas qu'on pouvait avoir un... Oula, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Hein? Quoi? Pourquoi ils ont récupéré la balle alors que qu'ils ont marqué? Normalement, c'est moi qui engage quand je prends un but. Oh, ok, j'ai gagné. Appuie sur Start pour jouer. Sur... Les deux pour les stats. Quoi? Ok, ça n'a pas trop l'air d'avoir fonctionné pour avoir les stats. Ah si, là j'ai des stats en fait. Ouais, pas trahir les basketball. Je trouve pas qu'il ressemble à un joueur de basket, mais... Plutôt un commentateur télé ou un journaliste, mais bon. Je vais se mettre à démo. Ouais, vas-y, hop. Ouais. On va essayer de mettre pause à des moments clés. Ouais. Alors là, si tu appuies sur défense, c'est bon.
Là, sa main est trop proche de la balle, donc ça fait sûrement faute si tu appuies à ce moment-là. Là, c'est sûr que tu fais faute si tu appuies à ce moment-là. Là, a priori, ses mains touchent pas. Il y a une VAR hyper évoluée en vrai dans ce jeu, hein, pour savoir si le joueur adverse avait le ballon au contact de sa main ou pas. De courte manche, mais qui est courte manche? Ouf, c'est du québécois ça. Enfin, voici. Tiens, je découvre du coup qu'il existe une ville qui s'appelle Laval au Canada. Ok. Mais bah, je connaissais pas du coup. Le jeu est plutôt. Et en fait, c'est un proto. Il a été annulé. Et c'est assez étonnant parce qu'il est plutôt bien fini. Alors, ok, t'as pas masse de mode de jeu ou quoi, mais. J'ai pas fait gaffe. Il était. Il devait sortir en quelle année? Enfin, s'il y a une année indiquée quelque part, non. A priori, il n'y a pas d'année indiquée. Juste essayer de voir parce que Pat Riley Basketball Master System. Alors le jeu est sorti sur Mega Drive en 90. Sous le nom de Super Real Basketball. Peut-être que c'est le nom Pat Riley qui a été abandonné, du coup. Alors j'ai déjà lancé. Oh punaise, un jeu coréen. Ça me manquait pas. Mais avant. Donc Super Real Basketball. Est-ce que ça existe sur Master System? Il y a un Super Basketball en démo. Et pas de Super Real Basketball, donc je ne sais pas. Ben ça aurait pu, mais a priori non, parce que n'y a pas de Super Real Basketball comme pour la Mega Drive, donc je sais pas. Oh, du pseudo mode 7. Qu'est-ce qui nous attend? Déjà, les jeux coréens avec Space Key. Mais les gars, faites au moins l'effort. Faites au moins l'effort. Donc là, a priori, niveau vitesse, je suis à fond, moi. Oh, un cœur. Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que j'essaie de faire? Ma vitesse est au maximum! Et c'est pas bien rapide pour autant. C'est quoi ce faux bonus? Ah d'accord, fallait que j'appuie sur sauter pour pouvoir ressortir de la crevasse. Ok. Pour un jeu coréen et surtout MSX, il est pas si moche malgré le manque de couleurs. T'as dû choisir une autre couleur pour le sol, mais sinon ça rend plutôt bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il
Il a rejoint le temple des pingouins volants, c'est ça? Mais c'est pas des pingouins, est-ce qu'ils avaient encore les pattes avant, en plus de leurs ailes? Ok, c'est curieux. C'est curieux. On va pas se mentir, c'est curieux. Bon, la cave toute rouge, pareil, c'est pas. Le choix de couleur est peu pertinent. Mais attends, est-ce que je suis pas censé choper les poissons? Mais si, je suis censé choper les poissons! Moi, je les évitais comme si c'était des obstacles ou quelque chose. Mais non, pas du tout. Je suis censé les attraper. Oh, mais par contre, là, des fois, il est un peu trop sensible, hein, ce pingouin. Zut, à la fin, hein. Même temps, le jeu, il te dit pas qu'il faut attraper des poissons. Ouais, bah ouais, ça pop comme si c'était des trucs à éviter. Et puis pourquoi des poissons sortiraient d'un chemin dans la forêt ou d'une grotte? Si encore on était un pingouin supersonique qui courait sur de l'eau. Ok, pourquoi pas? Pourquoi il y a le logo Konami? Les développeurs essaient de séduire Konami, c'est ça? Ou j'ai loupé que c'était Konami qui a fait le jeu? Ah, voilà. Sur la banquise, c'est normal, on s'attend à voir des poissons jaillir de. Je ne sais pas trop ce que c'est au final, mais. Mais ça perturbe moins. Bah non, ça aurait pu être des vies, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs maintenant? Ah bah là, je suis mort. Je sais pas ce qui m'a tué du coup, mais. Non, il est pas très dur. Il y a des passages un peu chiants parce que tu te dis que tu peux aller jusqu'au bord de l'écran et puis non. Là, par exemple. Non. Mais ça, c'est. Ah. Ce faux bonus là. What? C'est un boss? Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais quoi? Ok, le boss, je ne comprends pas.
Je pense que je dois le faire tomber dans l'eau. Mais... Je suis beaucoup trop proche du truc pour pouvoir esquiver les attaques. C'est con, le reste du gameplay est pas trop mal, mais là c'est... Ben non, j'avais pas de touche en fait pour tirer. J'ai essayé, mais... Bon, on va vite fait... Enfin, vite fait, hein. Déjà, là, je sais que je dois ramasser les poissons, du coup. Enfin, les trucs qui sortent d'un chemin de terre. Pourquoi y'a un truc qui vole là? Ok. C'est mignon, mais du coup ça fait quoi? Quoi? Mais... Expliquez-moi! En fait, je suis un pingouin qui fait un bad trip, c'est ça? Je me pète la gueule. Est-ce que je vais mourir du coup de la chute? Ah non mais... Je pense que les devs n'ont aucune connaissance en zoologie. Parce que les poissons, ça sort pas de trous dans la terre. Ils peuvent effectivement vivre dans des trous dans la terre, à condition que ces trous soient remplis d'eau. Avec un apport... Pourquoi j'ai pas... J'ai appuyé sur le seau là, oh. À condition que dedans il y ait de la nourriture et des plantes pour renouveler l'oxygène. Donc pas un trou qui ressemble à un trou de taupe. On va pas chercher à tous les choper... Ah zut! À choper tous les poissons parce que je... Ça sent le coup, du coup... Tu passes ton temps à trébucher. Allez, allez! Ouh, c'est pas... Ah, non. Ouh, ça passe, ça passe. J'ai merdé deux fois les sauts et deux fois c'est passé, je pense, de jeu très peu. La musique est prenante, mine de rien. Ok, quand on arrive au boss, je mettrai pause, je fais un save state, juste pour essayer de comprendre comment faut faire, parce que...
but. Bon, je me... Mais zut. Je vais pas chercher à choper des poissons cette fois, juste essayer d'esquiver les trous pour aller plus vite. Hein. De toute façon, on sait même pas à quoi ça sert les poissons. J'en chope plein et ça change rien a priori. Zut. J'aime bien cette animation de petite boule là qui va vers nous, mais je sais pas ce que c'est censé être. Ah non! Bon, au moins il y a des genres de checkpoints continus, ça c'est pas mal quand même. Quand on sait à quel point les jeux d'époque aiment nous faire reprendre de un niveau du début. Mais j'ai sauté! Oh zut! Très loin d'arriver, hein. Ok. Hop. Sauvegarde instantanée. Voilà. Ok. Et bonsoir Aspicorp, merci pour l'astuce du coup. Moi je pensais que c'était avec une espèce de machin qui me balançait que ça avait fait des traits. Bon par contre du coup je suis en train de perdre toutes mes l'iconnement. Et oui, une tortue qui crache du feu sur la banquise, ça fait pas long feu. Ah ah ah. Merci pour le sauvetage, Aspicorp. Je pense pas que j'aurais trouvé sinon. J'étais trop persuadé que c'était les machins qui nous balançaient. Et là les poissons, c'est logique, voilà. Par contre, je sais pas qu'est-ce qui va me faire ralentir du coup. Ramasser les poissons du coup. Ah bah oui. Du coup c'est des bûches. Mais alors est-ce que en tant que pingouin ce serait pas plus simple de passer en dessous? C'est ma dernière vie du coup. Ouh, je sens que c'était un peu chaud là. Ouh, mon timing de saut est dégueulasse. En vrai, j'ai pas envie de game over. On va charger, on va se refaire le boss sans mourir connement cette fois. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Et le truc, c'est que si t'es dans le coin, tu ne peux pas l'esquiver. Ah oui, mais bon, à un moment. Zut quoi. Voilà, hein.
pense qu'au contraire, vaut plutôt les faire en premier. Les coins. Non! Oh, c'est tout ça parce que j'ai loupé mon saut. Mais zut! On n'enlèvera pas d'esprit que le boss est beaucoup trop proche de nous. On n'a pas du tout le temps. Enfin, on peut juste pas esquiver quand on est dans les coins. C'est vraiment chiant de ce côté-là. Allez. Dernière tentative. Après, on passe au jeu suivant. Qui me propose aussi un point bon, je crois d'ailleurs. Nanana. J'ai trouvé le nuage, il faut sauter pour faire se maintenir. Bonne soirée, Crayon Laser. Et hello, Destroff. Ouf. Et un niveau de plus fini, mais oui! Niveau aquatique, a priori, ça devrait le faire. Ah non, cette fois on est sous l'eau. On est sur Penguin Adventure, un jeu coréen, donc c'est-à-dire un portage MSX, qui est vraiment pas mal. Je vais pas toucher ces plans parce que je sens que c'est de l'arnaque. Et c'est un. Ouais, c'est sympathique. Non! Même visuellement pour un jeu sorti sur MSX. Non! Le game over! Ouais, pour un jeu sorti sur MSX, du coup, donc équivalent SG-1000. Point de vue sonore, c'est correct. Et visuellement, c'est sympa, franchement. Bon, t'as des aberrations, hein. C'est. Je sais pas si là, sur ce niveau. Si, voilà, voilà tu vois, t'es dans un, a priori dans un désert. T'as des chauves-souris qui. Voilà. Et t'as des poissons qui sortent de trous dans le sol. Donc, en fait, je pense que notre pingouin se balade sur une nappe phréatique géante dans laquelle il peut pas aller. Parce que sinon. Voilà. Et je vois qu'il y a un flingue au-dessus. On est d'accord, hein. Ça c'est un flingue. Qu'est-ce qu'il fout là dans un jeu de pingouin? Je ne sais pas. D'ailleurs, il n'y a pas de musique là dans la démo aussi. Je sais pas pourquoi. Ouais. Le jeu est sympa, mais il y a quelques bizarreries quand même. Je pense que les devs étaient. Les devs devaient être des étudiants qui ont un peu trop bu. Ils ont commencé par faire le jeu sérieusement, et puis au fur et à mesure où ils étaient en train de boire, ils ont rajouté des trucs comme les poissons qui sortent du sol, le flingue, une espèce de tortue qui crache des flammes sur la banquise. Bon. Ah bah, Penguin Land, bah, on l'avait déjà fait, je crois. C'est Doki Doki Penguin Master System. Version européenne. Allez, on commence niveau 30. La petite animation toute choupie.
Et zut. J'ai toujours du mal avec ce jeu sur quelle touche fait quoi. Je sais pas pourquoi. Je... Ok, je peux ressauter assez haut a priori pour... Oups. Pour remonter et le chercher en bas. Bon, on va pas jouer longtemps à ce jeu, hein. On l'a déjà fait plusieurs fois. Enfin plusieurs fois non, mais... On y a déjà joué à la version. Oups, allez, SG-1000. Non! Je pense que je suis bloqué là. Ouais. Enfin, si je peux faire ça. Ça. Est-ce que si je fais... Non, là je peux pas. Ok. Bon, ça m'avance pas vraiment, mais... C'est pas grave. C'était juste pour remontrer un peu. Le jeu est quand même adorable. Visuellement adorable. Comment je suis censé faire en vrai là? Les machins verts, je pensais qu'on pouvait les casser ou quelque chose pour faire tomber l'ours, mais a priori non. Bon, je sais pas. C'est pas très important. On l'a remontré. On va aller sur PGA Tour Golf. Les jeux de golf, une de mes grandes passions. Oups. Tengen, hein, pour l'adaptation. Et Sterling Silver Software and Electronic Arts. Ok. Sterling Silver Software, j'ai jamais entendu parler d'eux. Oh. A priori, il y a même une batterie de sauvegarde. Pas commun ça, surtout sur un jeu de golf. Alors. On va faire un practice round, un joueur humain, mon nom est pas Bob. Non, c'est pas ça. Non, je reviens en arrière du coup. C'est non. Zut. Mais non, je vais pas m'appeler Bob, punaise. Alors. J'ai un peu peur que si j'appuie, ça va lancer le tir, que j'aimerais juste savoir avant où je suis exactement. Enfin, j'ai vu que j'étais en haut à gauche, mais ils ont dit de rester plutôt à gauche pour éviter le côté droit avec, avec je ne sais quoi. Ah, bah tiens. Ben non, on veut la musique. Il y a même un ralenti et tout. Ok. Donc je suis là. Bon. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Où est ma balle? Je ne sais pas non plus.
Dans les arbres, merveilleux. Ok, j'ai tiré trop à gauche du coup. Le green! Oui! Oh, je suis fort. What? La balle est un pouce en dessous de... D'accord, donc c'est-à-dire que je suis à une altitude moins élevée. Je suis à 3 yards de distance. Putain, clairement, il y a de la 3D et tout. Bon, basique et pas très lisible, mais elle est là. Mais j'ai aucune idée de la puissance que je devrais mettre en fait pour réussir à monter assez. Je suis fort! Je suis Barbe! Le vrai test de ce trou, c'est le deuxième tir. Garde sur le côté droit pour la meilleure approche du green. Ok. D'ailleurs, j'avais réactivé la musique, il a pas l'air de l'avoir pris en compte. Ok, donc le truc complet. Ah ouais. Alors, on va appuyer de nouveau sur le bouton. Non, c'est pas ça que je veux. C'est le menu. Comment j'ai fait pour ouvrir le menu avant? Bouton pause? Non. Les deux boutons? Non. Ah, fallait rester appuyé sur le bouton 1. Ah, c'est Turn Music. Quelle nouille! Mais j'ai toujours pas de musique en fait. Ok, je suis où du coup? D'accord. On n'est pas trop mal, je dirais. J'aimerais bien la musique. Pourquoi y a pas la musique? J'ai fait turn music on juste avant. On n'a pas compris, on va pas se mentir, je comprends pas grand chose. Hein. Je connais les bases du golf, voilà. Mais c'est-à-dire qu'il faut mettre la balle dans moins de trous que ce qui est écrit en part. Mais. Ça devrait être bon ça. Ah, quoique, il y a le vent qui me pousse vers la gauche. Je l'ai eu trop tard. Mais quel endroit de merde où j'ai fini? Quel endroit de merde! Est-ce que j'arrive à le faire passer au-dessus? En vrai, j'hésite à le remettre juste en chemin là. Non mince. Ouais, c'est ce que je craignais. Ça ne passe pas.
Mais non, là, ça devait passer. Zut, quoi. Bon. Du coup, j'ai absolument pas suivi les conseils du gars, hein, mais j'ai fini par sortir de. Ok, on est au même niveau, donc a priori cette fois c'est plat et on est à 11 yards. Et le putter sert à faire du 15 yards, donc on va faire quoi? 80%? 75? Encore un peu moins en vrai. Ouais, je sais pas, pourquoi tu pars à gauche? Le vent il est contre nous et il part vers la gauche. Oh! Merci beaucoup, Retro Redrum, hein. Ça fait plaisir. Non! On est sur PGA World Tour? Tour Golf. Et après un excellent premier trou, je me suis chié dessus. Sur celui-là. Hello Kikiche. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, hein, donc c'est ça. Le golf, c'est chouette. Enfin, surtout en mini-golf et entre potes pour bien rigoler. Mais ouais. Qu'on peut voir, le premier tour, premier trou était pas mal, et puis voilà, directement on se chie dessus. Bon, le suivant est en trois coups, on va essayer de faire mieux. Et là, ça c'est très bien parce que PGA du coup nous donne des petites astuces. On a un conseiller qui nous dit, enfin un conseiller, plutôt le commentateur qui décrit le trou en cours. Et du coup, j'ai pas lu ce qu'il a dit, et donc je risque de faire des bêtises. Le vent est avec nous! C'est parti. Oh non, 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 oui! J'ai un peu pas fini du tout au bon endroit. Comment je passais les arbres? Ok, on fait pas le con. On évite les arbres. Merci, Balesan. Alors. En vrai, ça se tente. C'est juste un petit buisson qu'il y a devant. Ça se tente, ça se tente. Putain, le vent, il est fort en plus. Je sais pas du tout comment. Vas-y. On tape à fond avec le vent contre. Ça va peut-être nous ralentir assez. Ah non, on est à côté. Ok, on devrait faire le par. Si là j'arrive à me louper. Yes. En vrai, je pense que le deux coups était jouable si j'avais pas fait un premier tir aussi mauvais. Alors, le tee shot est crucial. Alors, le tee shot, je sais pas ce que c'est.
La plupart des pros utilisent un bois 3 au-dessus du lac pour atterrir près du lac qui donne le meilleur angle pour le green. Ok. Donc en gros, je pense qu'on doit viser ici, peut-être. Ou alors c'est plutôt de là. J'ai un problème, c'est que je sais pas c'est quoi les distances. Est-ce que c'est proportionnel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 et quelques. Ça correspond à quoi, hein? Je ne sais pas. Bon, écoute, hein, on va faire le... Non, je voulais pas tirer, je voulais pas tirer, non! 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 Mais où est-ce que je vais finir? Reviens à la balle! Ah, oh, punaise! Je veux le ralenti. Regardez-moi ce loupé. Tout ça parce que j'ai lancé le tir involontairement. Cruelle désillusion. Ok, bon, on continue la partie. Ah ouais! J'ai pas dévissé! J'ai redéfini le mot dévissé! Ils sont là à part vouloir tirer fort pour essayer de revenir vers le jeu. Miracle, vous voyez le terrain? On est où? Ok. Le par se fait en 4 coups. Donc là, si j'arrive à faire un bon coup en vrai, il y aura peut-être moyen de moyenner. Allez, ma petite balle! Oh punaise. Le par est encore faisable après le loupé initial. Le par est encore faisable. Et c'est tout plat. Merveilleux. Non! J'ai loupé. Aïe aïe aïe. Non. Allez. Prochain en 4 coups, je vais y arriver cette fois. Donc le truc est court, on peut la jouer safe avec un iron long. D'accord. 463 yards. Du moins que j'arrive à éviter le sable, j'imagine que c'est bon. Ça serait quoi le long iron? C'est le driver? 260 yards, je devrais être au-delà du sable. Ah, j'ai un peu dévissé.
Non, le sable. Bonne nuit d'Estraf, à la prochaine. Et voilà ce qui arrive quand on dévisse, hein. Bon, par 4, je devrais pouvoir m'en sortir. Ok, donc on a fait deux tirs. Ouais. Je devrais pouvoir viser le par, si je me loupe pas comme avant. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on est bon, on est bon. Ou pas. Ah non, c'est moi qui suis surélevé par rapport au trou, je pensais pas. Je peux pas me louper là. Si? Mais si. Oh, punaise! Le souci avec le golf, c'est que déjà de 1. Alors, ce jeu, non, du coup, pour ceux qui sont arrivés. Il y a de la musique normalement. Mais. Alors là, il y a écrit Turn Music On. On fait On. Donc logiquement, ça indique Turn Music Off. Mais il n'y a toujours pas de musique. Si jamais hein, vous posiez la question, c'est pas moi qui ai enlevé la musique ou quoi. C'est juste le jeu qui a décidé de proposer une option pour mettre de la musique, mais qui a pas de musique. Bon. Ok, faut que je tire plutôt légèrement à gauche. Le truc, c'est que je sais pas. Est-ce qu'il nous oriente automatiquement vers. Là, ça me manque ça. Savoir s'il nous oriente vers le truc idéal annoncé. Ou si c'est automatiquement vers le trou. On va mettre un peu à gauche du coup, hein, comme il a dit. Et on tape fort. J'aurais peut-être dû attendre que le vent tourne. Il est pas fort, mais il est quand même contre nous. Va pas trop loin, va pas trop loin, va pas trop loin! Du coup, j'aurai l'arbre juste devant moi. Je pense que de base, il nous mettait du coup la meilleure option possible. Bon, ça, j'ai pas d'arbre devant moi en fait. Pas dans l'eau, 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 pas dans l'eau. C'est pas dans l'eau. Je suis où? Ok, juste avant l'eau. Soit. Quelle distance, ok. Ouais, clairement, le raft, c'est clair, c'est mieux que l'eau parce que je n'aurais pas été prêt à sortir la balle de l'eau. Bon, par contre, je sens que je vais encore réussir à me louper là pour changer. Non, c'est bon. Enfin, nouveau un par. Non, même pas, j'ai fait un coup de moins. Bénef.
Bon, j'arriverai pas à l'équilibre, mais... Alors... C'est quoi toute cette étendue d'eau, là, dans mon chemin? Merci Gamer Tutu. Est-ce que je dois dire tutu ou tutu? Alors, du coup, j'ai pas tout suivi de ce qu'il m'a dit, mais déjà, ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas aller dans l'eau. Et donc, on va essayer de taper très fort pour passer au-delà de l'eau. Attends, non. Je commence de quel côté? Non, je commence là. Ça fait 546 yards, donc ouais, avec la moitié, je dois l'être largement passé. On tire légèrement à droite pour plus de sûreté. Quand je me loupe comme ça, voilà, hein. C'est exactement pour ça qu'on vise à droite, pour quand on va dans les arbres. Ok, bah bonne soirée Retro Redrum, et merci encore pour le raid. Comment j'ai fait pour décaler autant? C'est pas possible. Oh, zut quoi. Et vas-y, je vais encore partir à gauche, c'est ça? Je suis pas bon en golf, hein. On va pas se mentir. Peut-être qu'un jour, quand je serai riche, je pourrai jouer au golf et apprendre à être bon. Oh! Ok, peut-être que je suis un génie. Alors, la balle est un pouce en dessous. Franchement, je suis désolé, mais quand tu vois leur modélisation 3D, j'ai plutôt l'impression que la balle est au-dessus. Hein. Non? Ok, donc gamer tutut, c'est noté. Bon. Gamer tutut, celle-là, elle est pour toi. Et j'ai réussi! J'ai réussi, j'ai fait le par encore une fois. Bon. Try to hit your tee shot from the right side. Ok, donc faut que je tire. J'ai pas envie de tirer vers la droite parce que je vais finir de nouveau à 15 000 km l'objectif. J'ai pas fait gaffe, ils sont 450 yards. Et le problème c'est que je tente quand même. Aïe, ma petite balle! Vole! Vole de tes propres ailes jusqu'au trou! Non! 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 Zut! Évidemment que je finis trop à droite! Zut! Alors, combien d'arbres devant moi? Ok, on va viser comme ça. Non, on va pas trop loin de nouveau! Mais je vais de l'autre côté trop loin! C'est pire qu'avant! C'est pire qu'avant!
Là, techniquement, c'est comme si j'avais. Je suis sur une piste de Formule 1, mais je me contente. Je fais que du hors-piste. Bon, au moins. J'ai le trou en vue. Bon, on va dire que je m'en suis bien sorti. Je m'en suis bien sorti. C'est ça. Vu que j'ai de nouveau confondu golf et Paris-Dakar, ça va. Oh bordel. 252 yards. Ok. Donc je suis à 187, donc en vrai, on va même prendre l'Iron 4. Oh, le tir parfait, il va tout droit, il va tout droit pour une fois. Serait-ce la naissance d'une nouvelle star? Ou de... Oh, c'est passé. Oh, je suis un génie. Je suis un génie. Bon, par contre, 5 yards, je vais réussir à me louper, ça c'est certain. Suis trop fort. Franchement, on finira seulement plus 4. Si on enlève le deuxième trou, où je me suis complètement chié dessus, ça va. J'ai pas été trop mauvais. Ah, mais attends, il y a encore un trou? Et l'ensemble fait 541 yards. Ça pue les emmerdes, hein. Tous ces arbres sur le côté. Ouais, je tire de nouveau de travers et je vais aller dans les arbres. Je vais dans les arbres. Ah non, je vais. Oh non, je. C'est même plus dans les arbres que je vais. Je quitte le jeu. Mais comment j'ai fini là-bas? J'ai à peine dévié mon tir. En fait, c'était ma stratégie. Non! Bordel. Mais comment je fais ça? Comment? Expliquez-moi. S'il vous plaît. En plus de nouveau, il y a un arbre devant moi, c'est ça? Oh, mais non, mais non. On espère que ça passe au-dessus. Ça passe pas du tout au-dessus. Zut. Est-ce que dans le chat, il y en a qui s'y connaissent en golf des années 90? Est-ce que ce sont des vrais trous? Oui, mais forcément. Que je passe ma vie à tirer de travers.
La puissance, c'est vrai, tu peux te permettre d'être un peu de travers. Mais le problème, c'est le deux, la deuxième touche. Tu tires trop facilement de travers, vraiment. C'est super dur. Ah, d'accord, il y a 18 trous en fait. Donc là, je suis déjà à plus 7 au total. Donc c'est absolument pas aussi bon que. Que ce que j'ai. Bon, en même temps, je lui ai fait un plus 3, quoi. La précision et la finesse sont les clés de cette beauté. Bah. Avec moi, ça va plutôt être. Un beau loupé. Et voilà, on part du travers. Jusqu'où, je ne sais pas encore. Mais je vous le dis, nous partons de travers. Ou dans l'eau. C'est une possibilité. Ah, même pas. Alors, là-bas, elle est. Un pouce en dessous. Et il y a 6 yards. Ok. Conclusion. Le joueur présent tire de travers, exactement, c'est ça qu'on veut, mais oui, il n'apprend pas de ses erreurs, il n'apprend pas, ou il ne sait pas tirer droit, un des deux. Et je tire systématiquement de travers, c'est horrible. Bon, je fais part quand même, donc ça va, c'est on évite trop de dégâts, mais. Alors, le deuxième tir est cru est le moment plus crucial. Ça demande un iron long jusqu'au green pour éviter la creek. Ok. Conclusion, on va se louper. De toute façon, c'est comme ça que je procède. Je me loupe et ensuite je m'en plains. Allez. Tire droit. Oui, tire droit. Bon, évidemment, je tire au moment où il y a le vent qui est contre moi et qui m'envoie vers la gauche, mais j'ai tiré droit du coup pour une fois. C'est le vent qui me dévie, c'est pas moi. Ah? Et l'eau, évidemment, l'eau. Moi, je prends depuis l'eau, c'est bon, ça me va l'eau. Alors, il m'avait suggéré un iron long. C'est ce qu'on va faire pour éviter l'eau. Je prends des arbres à la place, mais j'ai évité l'eau. Eh, même pas d'arbres. Même pas d'arbres. Alors. On va arrêter après ce trou. Parce que de base. De base, c'était pas prévu que je me prenne autant à ce jeu. Mais il est posé et j'aime bien les jeux posés. Tu te précipites! Idiot! Bon, bah, le par s'est loupé de nouveau, hein. Là, on a plus 8. Yes! Bon. Ah, on est même à plus 10. C'est encore pire que ce que je croyais. On va pas lancer Phantasy Star ce soir. Parce qu'il est tard, normalement on arrête à minuit. Je vais quand même lancer encore un petit jeu.
Mais s'il y en a là de présents qui sont tentés, en temps normal on se stream le mercredi et je vais sûrement peut-être faire un semi-long play de Phantasy Star. Voilà, c'est Pit Fighter par contre. Parce que Phantasy Star c'est un jeu que j'adore. Mais il y a quand même beaucoup de farm dedans. Donc je vais essayer de faire le farm entre deux streams. Ah, je dois choisir le. Qu'est-ce que c'est? Match 1, show, no mercy, ok. Mais est-ce que c'est moi qui joue au moins? Mon Pit Fighter, c'était ce qu'on pouvait considérer comme étant un bon jeu de combat avant Street Fighter 2. Oh, j'ai jeté. Il est mort. Il se relève plus cette fois, ça y est. Si, il s'est relevé, pourquoi? Ne relève pas, toi. Oh. Ah, ça y est, devenu bleu. S'il est bleu, c'est qu'il est mort. Alors, gamer tout de suite, je vais t'expliquer un truc, c'est parce que Master System est supérieur en fait à Mega Drive et à la Super Nintendo. On pense souvent que c'est le contraire, mais c'est sa surpuissance qui fait qu'elle n'a pas marché. Les gens pensent pas que c'était réaliste, une console qui était aussi puissante. Du coup, ils ont dû la brider. Non, sinon, plus sérieusement, il y a beaucoup. Enfin, un Master System arrive souvent à proposer des rendus très propres, mine de rien. Et son souci, c'est pas tellement les graphismes dans l'absolu, mais c'est le nombre de sprites par ligne qui fait que. Attends, y a un truc par terre, je peux le ramasser. Bon, je l'ai jeté, c'est pas ce que je voulais faire, mais. Hop, allez, Jim du Sud, dégage! Mais c'est ça que je voulais faire, zut! Mais voilà, le game a tué, mais il a pris le power-up que je voulais. Je savais pas comment le prendre. Oui, on continue. Zut, quoi! Défonce. Je pige pas comment on fait pour les jeter. J'ai réussi à le jeter tout à l'heure, mais je sais pas comment. Mais non! Oh zut! Je peux l'avoir, je peux l'avoir! Yes! Oh punaise, c'était chaud! C'était chaud! Ça sert à quoi de gagner cet argent? Je peux rien en faire.
Oh mince, je suis mort. Alors Gamertitude, je t'annonce mon super pouvoir, hein, c'est de lire les commentaires toujours au pire moment et du coup je meurs. On pense souvent que c'est un désavantage, mais c'est un super pouvoir en fait. Ok, alors j'ai pas Nintendo Fanboy, j'en ai eu Wonderboy. Alors en vrai, Golden Axe, pour l'avoir refait, il est bien dégueulasse hein, sur Master System. En statique, ça passe. Manette en main, beaucoup moins. Ah, mais je commence avec 0 point de vie là aussi. Oh, oh! Par contre, c'est vrai que les Wonder Boys sont très beaux. Alex Kidd. Oh punaise. Elle m'a défoncé. Ça y est, je suis mort. Non, en vrai. Bah, tu regardes en vrai les chiffres de vente de Master System en Europe. Elle est complètement dans les clous par rapport à la NES. Hein. Et même par rapport à la Mega Drive. Hein. On cite souvent la Mega Drive comme la réussite de Sega, mais en Europe, la Master System a fait aussi bien qu'à Mega Drive. Hein. Ah, elle est bloquée. Est-ce que je peux en profiter? Est-ce que je peux profiter d'elle et la frapper? Non. Elle s'est débloquée du coup. Non, Double Dragon est beaucoup plus joli. Par contre, il y a un passage dans Double Dragon qui est infernal. Si à l'occasion tu as du temps pour lancer une vidéo en fond et regarder un peu, tu chercheras le stream que j'avais fait il y a quelques mois sur Double Dragon. C'est. Le jeu est relativement simple, je crois que c'est 2 ou 3 premiers niveaux. Et puis d'un coup, tu as un pic de difficulté. Et le jeu te tabasse. Littéralement, il te tabasse. Un peu comme là, je me fais tabasser par cette jeune fille qui semble bien. Ah, oh, mais j'avais réussi à ramasser un truc là. Et zut! Bon, j'ai encore un crédit, alors on l'utilise. Hein. Mais non, après en beat'em up sympa. Les Street of Rage par contre sont très sympas, le 1. Le 2, je l'ai pas encore fait. Donc je saurais pas le juger. Et il y en a un autre. C'était quoi? On est plus sur un run and gun en vrai, mais c'est Dynamic Ducks. Je sais pas si tu connais. C'est un peu un mix de beat'em up à Golden Axe, on va dire, mais avec un canard et un aspect Metal Slug aussi. Mais c'est très sympa. J'avais bien aimé y jouer. Je me demande si c'était pas dans le même stream d'ailleurs que Double Dragon. Et ramasse-la, dégage-la quelque part, je ne sais pas. Oh zut. Et voilà, je vais mourir. Bon, j'aurais pas réussi à passer le troisième combat. Le jeu est pas trop mal, mais je pense que la notice est nécessaire pour savoir comment faire les shops et les trucs de ce genre. Parce que quand tu mets l'adversaire par terre, même pas pouvoir en profiter, ça fait mal. Ouais, Dynamite Ducks, ça je peux te conseiller. Les Street of Rage, au moins le premier. Le 2, j'en avais lu des mauvaises choses à l'époque, mais en même temps, il y a. Ah zut. On va enlever le. C'est Eros. J'ai mis un F au lieu d'un E. Ouais, ça fait bizarre quand même de revenir en arrière, mais après, ça va, ça passe.
qui était plutôt spécialiste dans la puissance. De manière générale, je préfère les gars qui sont rapides. Mais non, franchement, le Street of Rage 1 sur Master System est très sympa. Bon, par contre, ça aurait été pas mal quand même de savoir à quoi sert l'argent qu'on gagne dans ce jeu. Oh! Et relève-toi! Ouais, c'est ça, c'est. Forcément, tu vas pas avoir le PPU de la Mega Drive derrière ou celui de la Super Nintendo, mais bon. Allez! Voilà. Donc là, il me reste. Non, il est pas mort! Oh. J'ai eu chaud. Je fais quoi de ces 2750 $? Oups. Alors, merci Osmos. C'est quoi? Comment c'était quoi ton pseudo? Osmos to player VR. Joueur VR, du coup, j'imagine. Merci pour le follow. Hein. Pardon. Non, après, en vrai, en jeu de combat, il y a un jeu coréen sur lequel je suis tombé, je connaissais. Enfin, c'est vraiment un jeu purement coréen. C'est, le nom est coréen. Et c'est pas un portage MSX pour une fois. Parce que la moitié des jeux coréens, c'est des portages MSX dégueulasses. Enfin, dégueulasses. Le MSX, c'est NES 2000, basiquement. Donc, une Master System avec un chip graphique plus pourri. Et il me défonce cette fois. Et ouais, le jeu était. De 1, il était vraiment beau, il était nerveux. Enfin. Avec une petite sortie internationale, il y avait moyen d'être un peu le Street Fighter de la console. Après, il est sorti tard aussi, hein, 93. Forcément, t'as déjà Virtua Fighter qui arrive. La Master System est un petit peu au bout de sa vie. Oh, il va défoncer celui-là. J'ai pas du tout réussi à le battre comme avant avec l'autre. Je trouve qu'il a pas d'allonge et à chaque fois que j'essaie de mettre un coup, je me fais frapper. Or que je... Ah, cette fois j'ai la vitesse mais pas du tout l'allonge. Et en plus, je fais pas de dégâts, alors... Oh là là, mais j'ai plus que 2 points de vie. Je sais plus c'est quel perso que j'ai pris, si c'est celui qui fait du kickboxing ou l'autre. Mais ça va pas le faire, là. Et voilà. Bon allez, dernière vie, de toute façon, enfin dernier crédit, on arrêtera le stream ensuite. Si jamais
pour ceux que ça intéresse, le jeudi soir à 21h, on a Shenron de Sega Mag, c'est aussi la Shenron de l'Asso MO5 si vous connaissez, qui stream la ludothèque Mega Drive. Dernièrement, elle était sur le Mega CD, mais là, de ce que j'ai vu, elle a repris la Mega Drive. Et moi, en temps normal, c'est le mercredi à 22h pour un Master System. J'arrive toujours pas à les... Mais cette fois, je sais pas pourquoi je l'ai défoncé. Peut-être à cause de la caisse avant là qu'il a essayé de me balancer dessus. De toute façon, c'est pas avec la vie qui me reste. Allez, relève-toi. Ok. Il me reste un point de vie. Ah, il tire un peu la tronche, j'ai l'impression, là. Non, ça va. Il manque quand même un peu une ambiance musicale à ce jeu. Et après, je sais que de temps en temps, on stream du Virtua Fighter Ultimate Showdown sur PS4. Après, ça dépend beaucoup des dispos des autres joueurs aussi, donc c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Et j'aimerais bien pouvoir y participer une fois. Mais généralement, ça tombe des soirs où je suis pas dispo, donc... Just wait. Cherche des piles de puissance. D'accord, mais je ne sais pas comment les prendre en fait. Je les vois les piles de puissance, mais je ne sais pas les prendre. Tu es une pile de puissance? Je ne sais pas te soulever. Ah bah je suis mort. Ok, bon bah du coup c'est fini pour ce soir. Hein. Comme dit, je ferai sûrement un petit sondage sur Twitch pour savoir si y en a que ça intéresse un long play, enfin un pseudo long play du coup de Phantasy Star. Et du coup, on essaiera de commencer ça la semaine prochaine. Et bon, sinon, on fera juste la première demi-heure avant de reprendre la suite. Et on a Populous qui nous attend là bientôt. Et du shmup, on aime les shmups. Enfin voilà. Du coup, merci encore à ceux qui sont restés du raid. Hein. Merci aux habitués. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, ben, peut-être à la semaine prochaine, du coup, pour ceux que ça tente. Hein. Allez. Bonne nuit tout le monde. Et à la prochaine. Tchuss.